Quand nous parlons de souffrance,
nous faisons allusion à une expérience de détresse. La souffrance renvoie à une peine. La souffrance renvoie à un moment ou à une situation où nous sentons que notre désir de vivre est opprimé, est contristé. C'est ça la souffrance. Et la souffrance n'est pas une idée. La souffrance est quelque chose qu'on vit dans sa chair. Vous voyez? La souffrance n'est pas une idée. Qui n'a jamais fait l'expérience de la souffrance? Levez le doigt. Qui a déjà souffert? Ok, donc vous êtes à votre place. Donc quand je dis souffrance, vous savez de quoi il s'agit. Ce n'est pas une idée. Alors, maintenant, on nous demande de réfléchir sur le lien entre la souffrance et la joie. Quand la souffrance devient joie. Maintenant, essayons aussi de comprendre la joie. Comme la souffrance, la joie aussi est quelque chose qu'on ressent, qu'on vit dans sa chair. Et pour parler en langage ivoirien, je dirais, il y a la joie là où on ressent de l'enjaillement. Là où, quand je suis enjaillé, ça veut dire que je suis dans la joie. N'est-ce pas? La joie, c'est l'expérience d'une satisfaction. Lorsque nous sommes satisfaits, lorsque nous vivons des moments où, ou des instants où on a besoin de rien d'autre, c'est le sourire, c'est l'allégresse, c'est le sentiment d'être satisfait, c'est le sentiment d'être exalté, d'être consolé. C'est ça la joie aussi. Maintenant, c'est le bien-être, la joie. La joie, c'est le contraire de la tristesse. Généralement, là où il y a la souffrance, il y a la tristesse. N'est-ce pas? Là où on voit la tristesse, on sait que derrière la tristesse, il y a la souffrance. Souffrance et tristesse vont ensemble. Mais est-ce que souffrance et joie vont aussi ensemble? Mais la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de la souffrance à la joie. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. La question alors, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ce mouvement, ce déplacement de la souffrance à la joie? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui fait l'expérience de la souffrance peut faire aussi l'expérience de la joie? Est-ce que vous pensez qu'une souffrance peut déboucher sur une joie? N'allez pas loin. Puisque vous avez fait l'expérience de la souffrance, demandez-vous, est-ce que il m'est arrivé de vivre une expérience de joie, de satisfaction, d'allégresse à partir d'une souffrance? Est-ce que dans ma vie, il y a eu un moment où je suis passé de la souffrance à la joie, de la tristesse
allégresse, de la tristesse à la satisfaction. Mais nous savons que il arrive qu'au cœur d'une souffrance, les gens fassent une expérience extraordinaire. Nous savons qu'il arrive que la souffrance se transforme pour certains une bénédiction, n'est-ce pas? Donc, c'est possible de passer de la souffrance à la joie. C'est possible qu'une souffrance se transforme en quelque chose de bien. Merci. Ça, c'est possible parce que nous avons des exemples autour de nous. Mais plus que des exemples dans notre vie, c'est même notre foi. Le passage de la souffrance à la joie, et c'est l'expression de la foi chrétienne. C'est ce que nous croyons, c'est ce que tout chrétien croit, que la souffrance n'a pas le dernier mot. Le dernier mot dans toute existence de celui ou celle qui croit en Jésus, c'est que c'est la joie qui a le dernier mot, c'est la vie qui a le dernier mot. D'où, au commencement était la vie, et à la fin, c'est aussi la vie. Mais entre le commencement qui est la vie et la fin qui est la vie, au milieu, il y a la possibilité de la souffrance. Il y a la possibilité de faire l'expérience de la souffrance. Alors nous avons la vie au début, nous venons au monde, Dieu nous donne la vie. Dans notre existence, il y a des moments de souffrance, mais ultimement, c'est la vie qui jaillit. Vie, mort, vie. Vie, souffrance, vie. Joie, moment de tristesse, joie. Parce que notre regard sur l'existence, c'est le mystère de Jésus-Christ. Jésus a souffert, n'est-ce pas? Voilà. Jésus a connu la souffrance, n'est-ce pas? Mais de la souffrance de Jésus, qu'est-ce qui est né? La vie, donc la joie. Et donc, la foi en la résurrection fait que nous, nous croyons fortement, nous avons une forte conviction que nous sommes appelés à passer de la souffrance à la vie. Nous croyons que de toute souffrance, la joie peut jaillir. Nous croyons que la souffrance n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la vie. Le dernier mot, c'est la joie. À toute personne qui croit, Dieu promet de faire cette expérience qu'a faite Jésus, de passer de la souffrance à la joie. Si, comme petit enfant, tu souffres pour étudier, Dieu te dit oui, tu souffres pour étudier, mais demain, tu auras la joie. Parce que, à cause de la peine que tu accepte d'endurer pour étudier, demain tu seras une grande personne. Dans Romains 5, verset 3, il est dit, nous mettons notre orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Vous voyez, Saint Paul dit, la souffrance, ici il parle de détresse,
détestent la souffrance, n'est-ce pas? Il dit, lorsque c'est vécu en Dieu, dans la foi en Dieu, la détresse, la souffrance produit la persévérance. Vous voyez, la souffrance, la détresse a la capacité, a le pouvoir de faire grandir en nous la persévérance. Mais la persévérance est une vertu, n'est-ce pas? Une personne qui sait persévérer a la clé du succès. Une chrétienne qui ne sait pas persévérer à la moindre tentation, à la moindre difficulté, elle va s'éloigner de la voie de Dieu. Jésus l'a dit, c'est par la persévérance que vous aurez la vie. C'est par la persévérance que vous aurez la vie. Donc, la persévérance est une attitude chrétienne très importante. Et Saint Paul dit, lorsqu'on vit la détresse, le moment difficile dans la foi, de là sortira la persévérance. Mais il continue, de cette persévérance va naître la fidélité éprouvée. Une fidélité éprouvée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fidélité qui a été éprouvée, qui a été consolidée par l'expérience. Ce n'est pas une fidélité en l'air, c'est une fidélité qui s'est enracinée, dont la personne est convaincue parce qu'il l'a vécu. Donc, une souffrance vécue dans la foi en Christ devient génératrice de la persévérance. C'est une valeur. Mais cette persévérance-là a aussi la capacité de faire naître dans la vie de cette personne-là une fidélité éprouvée. La fidélité à quoi? La fidélité à Dieu. La fidélité à son engagement chrétien. La fidélité à la suite du Christ. Et cette fidélité éprouvée fait naître l'espérance.